Je m'emmerde, quoi. Et chacun. Ne veulent pas aller plus loin que HM. Je me dis que j'aurais songé à élaborer un vrai projet. J'ai pas envie de ramasser les abricots. J'ai envie d'être moderne, genre 2.0. Je vais pas aller non plus jusqu'à Bordeaux. Je me perds tout le temps là-bas, je trouve même pas le métro. Du coup, ambition, création, innovation. Je vais livrer de la craie en vélo. Révolution. Tout en restant à la maison. Alors feu, je vais dire faut des cadeaux de HM en bagnole pour acheter un bitwin. Je me routine aussi pour la pause aussi, on sait jamais. Appli installée sur mon iPhone, le 7, ouais, que j'ai commandé sur Amazon, moderne. Avec une isotherme, casque, support de téléphone et même un putain de jersey, je sais même pas ce que c'est. Ça y est, c'est parti, j'ai déjà un chiffre. Ah, tu sais pas ce que c'est toi un chiffre, t'es trop grave. C'est parce que c'est moderne. Je me repère avec Golfech. J'ai un shift à mon dèche. Ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme j'y capte pas la 4G, je me repère avec Golfech. J'irai après la pêche. Bon, concrètement, c'est vrai, c'est un peu loin, mais j'ai livré 4 pots de carbure, ça se conserve bien. Direction le 82, ouverture transrégionale vers le Tarn et Garonne. La carbure est gersoise, interaction, diversité, mondialisée, valorisation du local. Mais comme le baston entre voisins à la buvette du bal. En avance sur mon temps, c'est bien simple, je pédale, vénère, je vais de l'avance sans jamais me retourner, de toute façon ici, y'a rien derrière. Arrivé à l'Erac, je prends le virage, toujours en avance sur mon temps, et quand tu prends un virage en avance sur ton temps, en fait tu prends pas le virage, tu tournes avant, c'est prouvé mathématiquement. Je ramasse mon vélo, y'a pas de casse dans les pots, je me suis pas fait de bobo, tant mieux, je suis pas assuré. Moderne. C'est moderne, mais putain, c'est long. J'ai déjà passé le pont de la 62. J'ai déjà passé une fois la Garonne. Pédale, pédale, pédale. Oh putain, ça y est, j'aperçois la frontière. De l'autre côté, la Magistère, super. D'autant que j'ai 38 tonnes derrière. Le mec, il claque sur le pinac parce qu'il n'arrive pas à me dépasser. Mais s'il n'arrive pas à me dépasser, c'est justement parce qu'il y a du monde en face. Et qu'à droite, il y a le fossé. Il veut que je fasse quoi au juste? Que j'improvise mes lévitations transcendantales à 6 mètres du sol en vélo. Comment? Putain, ça y est, le mec des boîtes, il a réussi à passer, mais ça lui passe pas l'envie de klaxonner. Super. Ouais, encore plus super quand tu sais qu'on arrive dans un village limité à 50, dans 20 mètres d'une zone 30. Je suis collé derrière du gros cul que j'ai réussi à rattraper, et c'est pas des vapeurs de carbure que je respire. Mais le transport routier, c'est moderne, alors je patiente et je respecte. Putain. Je me repère avec Golfech. J'ai un shift à mon dèche. Ça me vient, c'est la dèche. Mais comme je capte pas ce putain de 4G, du coup je me repère avec Golfech. Et en fait, je me repère plus du tout parce que Golfech c'est derrière depuis au moins Donzac. Putain, mon téléphone il capte même pas la calculatrice ici. D'ailleurs, bordel, j'arrive à moins 5. Il est évident que malgré mon sens aigu de la modernité, je me suis trompé de chemin. En plus, la Garonne ici ils appellent ça le Tarn. J'y comprends plus rien. J'ai la tête qui tourne comme un soleil. Il faut que j'achète une canette de Monster. Mais le proxy est fermé entre midi et 2. Donc c'est pas la peine d'y aller avant 15h. Je vais aller boire un café au café de la place. Arrivé, je pousse la porte. Et là je constate l'ampleur du tonnage. La moitié des marmules de l'équipe de rugby du coin est déjà en train de cartonner les girafes en regardant un match des 6 nations. Je me dirige vers le comptoir en tâchant de pas attirer leur attention. Je sais bien que si tu réunis les 15 types sur un pont bascule, t'es bon pour payer la tasse à l'essieu plein le pot. Manifestement, j'ai raté mon coup. Parce qu'un mec se met à parler en regardant dans ma direction. Je comprends pas exactement sa phrase, mais seulement quelques mots comme moule vide, tapette, vélo et casse ta tête. La soudaine activité neurologique de la zone de mon cerveau qui correspond au bon sens m'indique que le mec parle de moi et qu'il est hostile. Mais alors que je fais mon café, je constate une anomalie de liaison entre mon cerveau et ma bouche. Impulse un mouvement à mes lèvres qui se traduit par le son suivant.
Eh, tu sais ce que c'est toi, les chiffres, connard? Merde. Ni une ni deux, la pièce de barbac se dresse à un mètre devant moi. Un truc qui est sûr, c'est que le mec, il est pas lié. Il a le centre de gravité d'une enclume posée sur un flanc. Au pruneau, le mec est peut-être un peu lent. Je pourrais essayer de m'échapper, mais je ferais plus de putain de porte d'entrée. Et puis tu pourrais braquer ces trapèzes aussi, on dirait des plans inclinés. Et puis il me faudrait toute une vie pour poter la surface complète de son cul. À condition de chausser au minimum du 47. Ouais, puis c'est l'occasion aussi de tester à mes dépens la fameuse Antoinette. Donc ton petit le plus grand bien. Verdict, pas moderne mais efficace. J'ai rejoint mon vélo avec plus d'avance sur mon temps qu'il me faut pour le lire. Ouais, finalement, ça doit être moderne aussi, Antoinette, putain. Moderne. Moderne. Et j'ai même pris de l'avance sur le temps du refrain tellement que je suis moderne, quoi. Voilà, quoi. La cloche, la cloche. C'est la dèche, mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Colfèche. J'ai un shift à mon dèche, tombe bien, c'est la dèche, mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Colfèche. Et du coup, je suis toujours paumé, et encore une rivière. Et pourquoi y'a toujours moins deux rivières dans cet département? Ça sert à rien les rivières, ça existait déjà du temps de Mitterrand. Ouais, d'ailleurs, ça c'est pas une rivière, ça c'est un canal. Ça appelle un peu plus moderne, mais ça sert à rien non plus. On te file pas de shift si t'as une péniche. Derrière les péniches, elles sont toutes à Toulouse, et y'a déjà des restaurants dedans. Il me reste un pot de garbure pas cassé, je vais le manger. La prochaine fois, je livrerai en bagnole, ce sera vachement plus moderne finalement. Allez, moderne! Putain! Ah, chier! Ok.